Bonjour et bienvenue pour ces premiers conseils de lecture du site Catholique de France. Mais avant de commencer, Catholique de France, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une petite équipe de bénévoles motivés qui défend le magistère et la foi catholique face aux assauts du modernisme et du libéralisme. C'est pourquoi, dans la continuité de la réinformation que nous proposons quotidiennement sur le site, nous avons décidé d'y ajouter une sélection d'ouvrages choisis pour leur respect de la doctrine catholique et leur qualité. Des artisans, ayant l'amour du bien, du beau et du vrai, et qui participent chacun par son travail à la restauration de la France. Voici donc quelques livres indispensables pour tous ceux qui veulent se former intellectuellement, et bien sûr religieusement. La principale force de l'homme est la raison. Le but suprême de la raison est la connaissance de Dieu. Saint Albert le Grand, docteur de l'Église, maître de Saint Thomas d'Aquin. Pour commencer, si je vous dis Darwin, vous me dites théorie de l'évolution. En effet, une théorie idéologiquement tenace qui a pris toute la place dans le débat, d'ailleurs fermé actuellement, sur les origines de la vie et des espèces. Alors si je vous dis maintenant que cette théorie de l'évolution n'a aucune base scientifique, aucune preuve matérielle concrète, et que chaque domaine scientifique pris séparément constate par les faits l'inverse d'une évolution des espèces. Si vous me répondez que c'est impossible, voire délirant, alors ces trois livres sont pour vous. Le premier, Évolution, Dévolution, Science, se veut comme un manuel scolaire, enrichi de nombreuses références et illustrations pour questionner les idées reçues et montrer les incohérences de cette théorie de façon très abordable pour tous dès l'adolescence. Le deuxième, L'évolution, en 100 questions-réponses, s'emploie à donner davantage d'arguments scientifiques au travers de sujets tels que les fossiles, la biologie, la génétique et la religion par un jeu de questions-réponses en faisant un livre intermédiaire pour explorer ce sujet. Et enfin, le troisième, Le darwinisme tient-il debout, qui permet quant à lui d'aller au fond des choses avec une synthèse scientifique et philosophique du sujet menée de façon rationnelle et rigoureuse, défendant ainsi une vision créationniste de nos origines. Je précise que ces ouvrages ne sont pas le fruit d'illuminés, mais bien de scientifiques, d'ingénieurs et de docteurs reconnus dans leur domaine. Se former intellectuellement est certes une très bonne chose, mais cela ne doit pas nous faire oublier nos bonnes manières en société. C'est pourquoi les éditions L'Honnête Homme rééditent ce grand classique de Saint Jean-Baptiste de La Salle, Les règles de bienséance, un ouvrage de 1729 qui aborde avec simplicité la manière de vivre dans un esprit chrétien. Ces 24 chapitres traite des moyens d'entretenir parmi les fidèles, et particulièrement parmi la jeunesse, une charité sincère et une union qui soit véritablement chrétienne. Vous saurez donc, avec ce petit manuel, ce que Saint Jean-Baptiste de La Salle enseignait à ses élèves sur la tenue du corps, l'habillement, les divertissements, etc., toujours dans un esprit de modestie et de bienséance. Toujours dans l'enseignement de la jeunesse, une réédition cette fois de 1893, La charité enseignée aux enfants. Un livre qui s'adresse aux jeunes gens et aux adolescents au travers de courtes histoires afin de leur donner les meilleurs exemples pour imiter Jésus-Christ dans toutes les œuvres de charité. Donner à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif, exercer l'hospitalité, vêtir ceux qui sont nus, servir les malades, etc. Des petits récits qui sauront édifier aussi bien les petits que les grands. Je vous parlais au début de cette vidéo de la volonté de certains artisans d'œuvrer pour le beau. Catholic Art le prouve magnifiquement avec ce catéchisme en images qu'on ne présente plus. De belles planches, entièrement restaurées, pour toucher l'œil et le cœur de celui qui sera instruit sur la doctrine chrétienne. Ce travail de Catholic Art a permis également la création de cette deuxième édition du calendrier catholique de France, conforme aux règles et normes en vigueur avant les réformes. C'est donc ce cru 2024 qui est maintenant disponible sur la boutique. Dans les éditeurs qu'on ne présente plus, nous avons le plaisir de compter, parmi ceux dont nous vous proposons les ouvrages, les éditions Saint-Rémy. C'est une sélection de plus de 40 livres que nous avons faites pour vous. Je ne peux bien sûr pas tous vous les présenter ici, mais si je ne devais en choisir qu'un, ce serait La Conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. Le sous-titre en résume parfaitement le contenu, autant que les causes de la situation actuelle, le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Un incontournable pour comprendre les causes et les enjeux de la crise religieuse dans laquelle nous sommes plongés. Enfin, pour terminer cette première revue de lecture,
Catholique de France vous propose en exclusivité ce livret de prières pour la récitation de l'exorcisme de Léon XIII contre Satan et les anges apostats avec le français et le latin en vis-à-vis pour lutter efficacement sur les conseils du pape Léon XIII lui-même dans les cas où l'on peut supposer une action du démon se manifestant soit par la méchanceté des hommes, soit par des tentations, des maladies, des tempêtes, des calamités de toutes sortes. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo en cliquant simplement sur le pouce vers le haut et soutenir Catholique de France en allant visiter le site internet et la boutique. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt et vive la France catholique !